ici. Simplement, vous dire qu'elle avait 76 ans. Et qu'elle est arrivée en France en 1999, qu'elle a laissé par ici, parmi nous. Au terme de ça, je voulais ajouter une chose, c'est qu'elle a laissé 6 enfants. 6 enfants, je vais commencer par les idées. Le premier, c'est Roger, Roger Mabella. Il vient donc Jean-Marie. Et troisièmement, c'est Madame Socorro. Le quatrième, c'est Alain. Cinquième, c'est Fernand. Et le dernier, c'est Claire. Juste pour dire que ça nous peine dessus, la femme que vous voyez la photo ici présente était une femme qui avait énormément d'application, mais aussi une forme de dignité. Je pense que c'est ça qu'elle nous a laissé. Elle a eu aussi la présence d'esprit de créer ici une forme d'une association, parce que simplement elle était d'abord une femme humaine et avec plein d'humanité. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes ici ce soir aussi, c'est pour lui rendre hommage. Mais dans les pareilles circonstances, vous savez, la douleur est incompréhensible. La mort est d'abord une incompréhension, la douleur est insurmontable. Même les mots ne suffisent pas pour essayer d'aller au-delà de ça. Simplement, je voulais simplement attirer votre attention sur les choses. Quelqu'un disait toujours qu'il faut se souvenir d'une chose, que quand je suis dans la tombe, comme disait un poète, même congolais, disait toujours que « Souviens-toi quand je ne serai plus là. Même dans ma tombe, tes prières vont arriver dans ma tombe et même que dans les catacombes, je pense que je vais pas avoir la lumière dès les prières, même encore aux enfants. » Donc, je pense que c'est pour nous une forme de douleur insurmontable. Simplement, quand on décède à l'étranger, ici par exemple, où nous sommes, c'est toujours difficile. Difficile parce que chacun d'entre nous est confronté à cette épreuve. Et que j'aimerais quand même attirer votre attention que ici même, il circule peut-être un cahier, un truc comme ça, je pense qu'il faut aussi faire preuve aussi de solidarité, parce qu'il y a bien la solidarité qui fonctionne dans ce pays. De toute façon, je pense que je ne suis pas le premier à le dire. On le sait tous, hein, que sans la solidarité, rien ne peut se faire. Et que la levée de corps de maman aura lieu le mardi prochain. Hein. Je pense que chacun d'entre vous a reçu un texto ou un SMS, mais comme nous sommes aussi une culture d'oralité, donc je pense que nous marchons à oreille, ça pourra marcher, et chacun d'entre nous saura où ça se trouve, et que je pense que nous comptons sur vous pour venir nombreux justement en face à cet événement. J'aurais pas grand chose à dire, tout simplement appeler les gens qui veulent bien témoigner justement de cette mère ou qui s'était même approchée d'elle pour dire quelque chose. J'aurais peut-être pas grand chose encore à ajouter. Encore vous dire un grand merci. En tout cas, toute la famille se joint à moi pour vous dire merci. Merci. En tout cas, merci à tous ensemble. Et que nous comptons d'être un moment sur vous. Peut-être que j'aurais pu peut-être ajouter quelque chose. Donc, il n'y a que la prière, que la prière, que la prière. C'est combien de prières. Donc, enfin, moi, je vous remercie encore pour vos attentions. J'espère que je n'ai pas été très long. Mais alors, j'ai pas l'adresse, et je pense que je peux trouver sur mon portable pour parler de corps. Alors, ça sera au funérailleur de Jean Chérol, au 95 rue Marcel Saint-Marc. C'est un vétérinaire. Je ne sais pas si c'est à 13h, c'est ça. Je pense que c'est à 11h. Alors, je préfère bien 10h30 parce que, simplement, généralement, si c'est le parti qui le fait, il est toujours à l'heure. Donc, je pense que s'ils sont en retard, je crois qu'ils auront une bonne chance pour le monde qui est encore à cet événement. Est-ce que vous pouvez me souffler les choses peut-être que j'ai oubliées, hein, entre temps. J'ai peut-être oublié quelque chose.
je vais passer la parole justement à un serviteur de Dieu qui va nous dire aussi, donc avec ses prières, peut-être qu'on va se prendre quelque chose. Voilà. Alléluia. Vous savez, quand on se retrouve dans ce jour de milieu, il y a la douleur parce qu'on a perdu un être cher. Mais on peut être assuré d'une chose. Et la parole de Dieu dit dans le livre d'Ecclésias, il vaut aller dans une maison de deuil que dans un festin. Pourquoi le Seigneur tient tant sur cette parole? Parce que quand on vient dans une maison de deuil, c'est un moment où on se questionne et on réfléchit. C'est un chemin qui est donné pour tout le monde. Il y a un jour de naissance, il y a un jour de mort. Quand on va dans un moment de festin, c'est un moment de réjouissance. C'est un moment où on oublie qu'un jour le Seigneur nous appellera. Et je me réjouis puisqu'on se retrouve ici, non seulement pour compatir pour notre maman qui nous a laissés, mais comme disait Jésus-Christ quand il a vu Lazare, pour moi, maman n'est pas morte, mais elle dort. C'est un repos. Parce qu'elle a une place privilégiée qui lui est adressée dans le ciel. Alors, fier d'être chrétien, j'aimerais qu'on puisse ensemble s'accorder en la mémoire de notre maman et prier. Et avant qu'on puisse prier, j'ai entendu mon frère qui a parlé tout à l'heure. Est-ce que vraiment il n'y a personne qui a un témoignage? Parce que vous savez, le témoignage c'est très important. Ça permet d'édifier beaucoup de personnes. Je connais, je comprends aussi que la douleur étant présente, c'est très dur de partager ou de parler de plusieurs choses qu'on a pu vivre avec moi. Est-ce que quelqu'un veut juste un petit témoignage avant que nous puissions vraiment passer dans la prière? Amen. Nous allons tous chanter.